L'aérogare de Korogo sera opérationnelle avant le 31 décembre 2023. L'information émane du ministre des Transports, Amadou Koné. Au cours d'une visite, il a passé en revue les différents compartiments de cet aérogare. Du restaurant, en passant par les bureaux, sans oublier les pistes d'atterrissage, l'embarquement ou encore les voiries. J'ai vraiment donné des instructions pour la semaine prochaine, en milieu, la deuxième partie de la semaine prochaine, que ces aéroports donc, soient ouverts. Donc, c'est ce qui va se passer. On continuera donc, en temps masqué donc, de traiter un certain nombre de questions techniques, mais vraiment de petites choses. Que ça fonctionne totalement comme nous voulons. Mais nous allons ouvrir donc, ces aéroports la semaine prochaine. La réhabilitation de l'aéroport de Korogo s'inscrit dans le vaste projet de modernisation et d'accroissement des infrastructures aéroportuaires du pays et en prélude à l'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire.